cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. I'm here with Madam Ambassador. She's the heart and the soul behind all the fighters, because out of sports set, everybody gets their integrals made. She's the one that makes each and every one, and she's been doing this for more than 35 years. It is incredible to talk with her with about all the history of each professor. She knows every single professor, not only professors, every single competitor that's ever walked through those doors. It's incredible to see the passion that this little store has produced for such a great sport. And I hadn't seen her in 7 years, I guess, since 2004. When I came in here, she hugged me like if it was yesterday that we hadn't seen each other. Yeah. It's incredible. And she is the soul of Savat. Moi, je suis passionnée aussi. Yeah. Je suis une passionnée. La preuve, je suis encore là. À 76 ans passés. Hein. Alors si j'étais pas passionnée, j'aurais capitulé. J'ai même, comme j'ai passé quelques années que ça allait pas trop au niveau santé, et là j'ai repris du poil de la bête. Ça fait 2 fois que je vais en compétition et je vais continuer. Je vais faire mon tour de France. Bon. Moi, je suis ici depuis 35 ans. Donc ça fait 35 ans que je vois la Savate tous les jours. Je suis allée à des tonnes de compétitions, à beaucoup de compétitions. Et alors, y avait, quand je suis arrivée, un esprit Savat extraordinaire. Maintenant, je trouve qu'avec nos jeunes, c'est un petit peu dilué, l'esprit de la Savat. Il faudrait quelqu'un qui remette... Moi, je sens qu'il y aurait besoin d'un comité des sages, des anciens, qui disent, ben non, nous on veut plus que ça soit comme ça, on veut que ce soit comme ça, pour retrouver l'esprit. Parce que l'esprit de la Savat, il était extraordinaire. Extraordinaire. Je l'ai toujours conseillé à tout le monde, et je trouve que ça n'est plus tout à fait le même esprit. Il y avait même un esprit, si vous voulez, de l'équipe des compétiteurs, qui était supérieur il y a 35 ans maintenant. Déjà, vous aviez des compétiteurs qui travaillaient, qui étaient dans le monde du travail, et qui s'entraînaient le soir 2 ou 3 fois par semaine, et qui allaient au championnat de France. Maintenant, les jeunes, ils sont souvent au pôle, donc ils n'ont plus les mêmes responsabilités dans la vie. Ils sont un peu gâtés, on va dire. Un peu beaucoup, même, je trouve. Ce qui fait qu'ils n'ont plus... Ils n'ont plus le même esprit. Ce que j'aimerais, c'est retrouver... Je retrouve cet esprit-là dans les vieilles savates. Vous en avez entendu parler, je suppose, des vieilles savates. Bon, ben, quand vous rencontrez Bob Alix, Leblon, les gens de l'Est, là-bas, comment ils s'appellent, Henrich, Damien Vert, un mec extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez connu, il était professeur, il n'était pas compétitif. Je ne l'ai pas connu compétiteur, mais il a sûrement fait de la compétition.
il est avocat à Strasbourg, ce monsieur-là, maintenant. Et c'est lui qui a développé la boxe française en Yougoslavie. Parce qu'à l'époque, quand il était jeune, il fréquentait une Yougoslave. Et la boxe française, c'était sa vie. Donc, en Yougoslavie, il a fait naître la boxe française. Je me demande s'il y en a encore un qui s'en rappelle. Mais c'était un monsieur super. Je l'ai revu il y a 3 ou 4 ans quand je suis allée au Vieille Savate en Alsace. Et il y en a comme ça dans tous les coins de France. En Bretagne, vous avez Philippe, comment il s'appelle ? Patrice Beau. Patrice Beau, c'était un type extraordinaire, un passionné. Si votre casquette, elle est grise, il dira qu'elle est grise, il ne va pas dire qu'elle est noire ou qu'elle est blanche. Il restera, elle est grise, un point, c'est tout. Donc, il avait un jugement sur les hommes extraordinaire, lui d'ailleurs. Mais ils ont fini par un petit peu l'écœurer. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous contrarie, le responsable, eh ben on le met dans le placard pour être tranquille. Et à l'époque, la contrariété avait Michel Leroux. Alors, il y avait Brégère aussi. Marc Brégère, je ne sais pas si vous avez connu Marc Brégère, mais Marc Brégère, monsieur le nouveau président, vient de le récupérer. Alors, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des anciens. Alors, vous aviez Marc Brégère, Patrice Beau, Pascal Soncourt, avec Soncourt aussi, qui faisait de la compétition, qui est mort. Qui c'est qu'il y avait avec Brégère? Je ne me rappelle plus. Michel Leroux, Jean-Michel Raymond. Bon, tous ces gens-là, ils ont été poussés parce que quand M. Leroux est arrivé, il s'est arrangé avec Valadier pour jeter tous ces gens-là dehors. Quand il y en a un qui arrive qui veut être le coq et qui, des fois, n'a pas la valeur, alors il prend des moins bons pour être sûr d'avoir raison, vous voyez ce que je veux dire. Et les bons, on les jette, comme ça, ils ne vous contrarieraient plus. Mais Patrice Bou, il a fait un travail extraordinaire en Bretagne. Si la Bretagne est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il a fait créer une masse de clubs. Vous avez un club qui marche super bien, c'est Le Bail à Lanester. J'ai encore vu, là, je suis allée à Lorient samedi soir pour la compétition. J'ai vu Eric Le Bail, qui fait de la boxe française depuis 30 ans. Hein. J'ai vu Béroux, il est plus jeune par rapport à Le Bail. Il y avait Michel Mout qui est à Vannes. Vous avez sûrement entendu parler de Michel Mout. Ben, tous ces gars-là, ils donnent leur vie. Il y en a un qui s'appelle comment c'est pas Jules Lémont, c'est. C'est Pierre Jules Lémont de. Non, mais il est un Belge, lui, Jules Lémont. Jules Lémont. Oui, mais il s'appelle Jules Germany. Ouais. C'est pareil, c'était un compétiteur extraordinaire, mais personne n'en parle plus. Il a un club, je pense, il y a Guillard. Monsieur Lafont, le père, je parle du père parce que le fils, je le connais moins. C'était vraiment un passionné. Il arrivait ici au magasin, il donnait une leçon aux gens qui étaient là. Il mettait les pieds sur l'épaule, ceci, tu fais pas comme ça, tu dois faire comme ça. Oh, c'était un monsieur extraordinaire. Je ne sais pas si à la Fédération on a conservé des choses de lui. J'ai bien peur que non. J'ai essayé de faire une minute de silence à sa mort. Le jour des championnats de France, ça n'a pas été fait. C'est moi qui l'ai demandé. Mais comme ce n'était pas organisé dans ce sens-là, ils ne l'ont pas fait. Mais des anciens professeurs, moi j'en connais beaucoup, qui ont donné 20 ans, 30 ans, de leur vie, de leur cœur, de leur porte-monnaie des fois. Et puis après, on ne les connaît plus. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas, à mon avis, suffisamment de reconnaissance. Mais j'ai l'impression que c'est en train de tourner. Parce que, regardez, au championnat de France, on devrait avoir les anciens champions qui viennent. Paturel, Silla, Farina, etc., tous les anciens champions. Alors cette année, ils vont recevoir, je sais, parce que le nouveau président, c'est un ami, c'est un monsieur qui a l'air de vouloir bien changer les choses, mais il lui faut quand même un peu de temps.
et il envoie des invitations à tous les anciens champions. J'aimerais bien que les anciens champions viennent parce qu'ils vont être surpris. Alors, est-ce qu'ils vont réagir en venant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Quand vous voyez un Paturel, c'est un type extraordinaire. Un Silla, c'est un type extraordinaire. Vous n'avez pas connu, vous, le combat Silla Cunningham? J'aurais bien voulu avoir la cassette. Vous ne savez pas si elle existe quelque part? C'est un combat tout Coubertin debout pendant tout le combat. Maintenant, c'est plus ça qu'on voit. Mais là, je suis allée à deux demi-finales. J'ai trouvé des beaux combats. Et si jamais en finale, ils boxent mal, alors là, je vais aller les attraper et leur dire, alors c'est quoi les gars? Mais c'est vrai que moi, j'en connais des profs de boxe française. Tiens, il y a Jacques Raza qui m'en vient à l'esprit. Un mec de Toulouse. Il a donné 20 ans. Il a organisé des compétitions, tout ça. Puis maintenant, il n'y a plus personne qui sait ce qu'il est devenu. Je trouve pas ça normal. Moi, j'ai plein de gens que je connais. Je les oublie pas, quoi. Alors, par contre, Christian Guillaume, j'avais eu le malheur de dire que peut-être bien il était mort, on m'avait dit ça. Et alors, le blond, il a envoyé son adresse dans le 63. Alors, dans les anciens compétiteurs, on a Postel, qui était un styliste, il rencontrait toujours Ducrot. Ducrot, c'est pareil, il est extraordinaire. Ils ont tous un style particulier qui est formidable. Mais Postel, parmi tous les compétiteurs que j'ai connus, et j'en ai connu quand même beaucoup, à aujourd'hui, il m'amène toujours une boîte de chocolat à Noël et un bouquet de muguet au 1er mai. Moi aussi, hein. Toujours. Moi aussi. Mais maintenant, il est enseignant à la BNP. Ça, c'est l'adresse que j'ai reçue pour M. Guillaume. Si vraiment il est toujours là, j'en sais rien. Mais alors après, vous aviez Farina, il y a Pennacchio, je sais pas, ils boxaient super bien tous ces gars-là. Il y en avait un autre, ils étaient chez Bruandet, un grand, mais je ne me rappelle plus de son nom. Moi, je devrais écrire parce que je ne me rappelle plus de son nom. C'est le Bélier, je crois. Oui, c'était le Bélier Association à l'époque. Godefroy. Godefroy, oui, c'est ça, vous avez une mémoire d'éléphant, vous. Godefroy, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Pennacchio, il paraît qu'il est descendu dans le sud. Oui. Mais pour le retrouver, ça va peut-être aussi. Il y a plein de gens. Je suis sûre que Farina, il a encore son adresse. Vous aviez les Daklaoui, Fabre. Fabre, c'était un monsieur, ouais, qui était un peu rouge, je crois. Non. Il est venu il y a longtemps avec son fils. Et je l'avais reconnu, ça lui avait fait plaisir que je le reconnaisse. J'ai attendu, on ne peut pas vous oublier. Qui est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Charmillon. Charmillon, notre Charmillon national. Qui est-ce qui peut oublier Charmillon? Vous vous rappelez, je ne sais pas, vous n'étiez pas là quand il y a eu à Chapi le combat Charmillon-Philippe-Marie. C'est là qu'ils avaient tourné la boum. Vous savez, ici, ils tournaient un film, La Boum, et ils étaient venus me demander où il y avait une compétition. Ben, je dis, il y a une compétition à Japy dans 8 jours. Mais vous croyez qu'il y aura de l'ambiance? Ben, je dis, oui, pourquoi pas. Ah, ben, ils en ont eu de l'ambiance. Alors, parmi tous ceux qu'on cite, il y a Robert Paturel, qui était simplement extraordinaire. Je suis obligée de rire parce que j'étais associée avec un monsieur qui est décédé. Et un jour, Ducrot, il passe dans la boutique, la petite boutique qu'on avait en face, et le soir, il rencontrait Paturel. Et Ducrot, qui était un peu plus jeune que Paturel, disait « Oh, c'est gagné d'avance !» Il croyait qu'il allait battre Paturel comme ça. Et alors là-dessus, le monsieur qui était avec moi, il lui dit « Fais attention, tu sais, Paturel, c'est un vieux rusé, fais gaffe à toi !» Et à peine monté sur le ring, boum, terminé. Mais Paturel, c'est un monsieur extraordinaire. Tout le monde le connaît, ou presque. Non, mon prof. C'était votre prof? Ah oui. Non, moi, monsieur, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, d'ailleurs. C'est un lâcheur, je vais lui dire quand je vais le voir.
Il y a un aussi, mais celui-là, c'est pas un prof de française, c'était un prof de défense, c'est Keke, Eric Keke. Ouais. C'est pareil, il s'est fait. Alors, j'avais fait un t-shirt il y a déjà quelques années, il y a déjà un moment, oui. Et il y a des petits personnages dans le dos du t-shirt, et j'avais fait écrire la boxe française, c'est la rencontre de l'efficacité et de l'élégance. Et je trouve que c'est ça qu'il faut retrouver vraiment complètement. L'efficacité et l'élégance. Pour gagner, on n'est pas obligé de boxer n'importe comment. On doit boxer bien. Ne pas oublier les beaux mouvements qu'on avait, que j'ai connus moi quand je suis arrivée. Moi j'ai découvert la boxe française il y a 35 ans et je suis devenue aussi passionnée que les anciens profs. J'ai dit et redit des paroles pour faire évoluer le matériel, pour faire modifier les gants, pour pas que ça soit trop dur, pour pas que ça soit pour améliorer la vie, quoi, pour protéger les boxeurs, etc. Avec Mademoiselle Riva, on a fait les chaussures, c'est pareil, on a modifié les chaussures au fur et à mesure pour que ça soit bien. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Parce que maintenant, c'est tellement difficile, je ne sais pas chez vous comment ça va, mais ici, la vie est plus que difficile. Pour tenir le coup, il faut se battre. À l'âge que j'ai, vous voyez, j'ai repris du collier à 100% pour tenir le coup. Parce qu'on est dans un pays en récession. Paul Viviani s'occupait de la canne à l'université à Paris. C'était un monsieur qui était super aussi. Tous les anciens, ils sont super. Il n'y a pas. Quand on pense à. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu il y a longtemps, monsieur Viviani. Il a dû prendre un petit peu sa retraite, non? Et puis après, on ne les voit plus, c'est des lâcheurs. S'il m'écoute, il va venir me voir, du coup. Mais c'est compliqué. Et puis alors, la canne, c'est compliqué. Vous avez des anciens qui ont disparu, comme. Attendez, je me rappelle. Là, le président, c'est Dubreuil, mais ça se porte mal, la canne. Ça se porte mal. Ils sont. Je ne pense pas qu'ils soient 1000, malgré ce qu'on me dit. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de club, donc il ne peut pas y avoir beaucoup de licenciés. Mais avant, on pouvait faire la canne à la fin d'un cours de boxe française. Donc il y avait beaucoup plus. Mais. Ils savaient créer des clubs. Mais en plus, comme ils s'entendent mal que c'est pas possible, ça participe pas au développement de la CAN. Hein. De se faire la guerre, ça participe pas au développement du pays. Viviani, qui sait qu'il y avait encore en CAN? Ici, j'ai un club qui marche super bien, c'est l'ASCA. Monsieur Morin et Monsieur Lamotte, ils sont extraordinaires. Il y a une ambiance dans ce club-là, à l'ASCA, c'est dans le. À côté, à deux pas d'ici. Il y en a un qui était. Il y a Agues. Agues. C'est Philippe Joly, un monsieur de. À côté de Rodez, de Cap de Nac. C'est pareil, c'est les passionnés de la canne, tous ces gens-là. C'est un ancien professeur aussi, lui d'ailleurs, Philippe Joly. Vous avez encore. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour j'oublie personne, j'en oublie, c'est sûr. À Rodez, il y a un excellent club aussi. À Toulouse, il y avait Monsieur Didi Guillemot, qui était un. Alors lui, c'était un passionné et il prenait soin de ses tireurs, vous ne pouvez pas savoir. On rigole quand on se rend compte parce que le samedi, je venais plus tôt parce que je savais qu'il était devant la porte avant que j'arrive. Parce qu'il venait chercher quelque chose pour ses tireurs et pour ne pas les réveiller, il dormait à l'hôtel et lui, il venait chercher. Une paire de chaussures, un produit pour les coups, etc. C'était formidable. Didier Guillemot, il revient un petit peu en arbitrage. Alors, il y a Monsieur Le Prévost qu'il ne faut pas oublier. C'est un ancien des anciens qui était un. Il a formé le club de Bobigny. Et il a un garçon qui a bien pris la succession, qui s'occupe vraiment bien aussi. Et il y a aussi Monsieur Poisson à Boulogne-Billancourt. La CBB qu'on appelle. Poisson, il y a Max Malka dans les anciens. Il y en a tellement que je vais en oublier, c'est obligé.
Mais tout ça, c'est des gars qui arrivent, ce sont des hommes qui arrivent à 55, 60 ans. Donc eux, ils n'ont pas perdu l'éthique de la boxe française, le respect, rendre service, aimable, souriant, toujours ça va quoi. Il n'y a pas de rivalité vraiment. Il y a toujours des rivalités dans les régions, plus ou moins. Tiens, il y a un monsieur que j'ai rencontré aussi qui me vient à l'esprit, Nugel, qui est de Saverne. Il avait un compétiteur à Lorient, là. C'est pareil, en voilà encore un qui est dévoué comme c'est pas possible. Vous avez, bon, ben, il y a monsieur Dumès qui est devenu président. C'est pareil, c'est du dévouement parce que finalement c'est du job bénévolat, hein. Parce qu'il faut courir là, 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 partout. C'est pas évident quand même. Mais il faut garder, il faut retrouver l'esprit des anciens. Ça, c'est impératif. Pour que la boxe française reprenne de la valeur. Parce que si on descend au niveau des autres boxes, c'est pas la peine. Vous avez aussi un monsieur qui est décédé, qui était à... Il s'appelait Jean... Christian Raymond. Il était à Masseran. Un type extraordinaire. Jean-Pierre Labarre, vous l'avez connu? Il pratiquait aussi la canne et le bâton. Mais il est mort il y a longtemps. Il avait 42 ans.